Bonjour tout le monde. Petite vidéo du jour. J'étais à Nantes hier. Donc c'est pour ça qu'en fait le live, je l'ai carrément zappé. Donc je ferai ce soir à 19h30. Et je vous montre que j'ai trouvé à Nantes. En fait, j'ai regardé la vidéo de mes envies créatives. Et j'ai vu qu'il y avait des choses super sympas. Et je suis allée voir si je trouvais une petite chose sur Halloween. Trouver une petite chose que je ne vous montrerai pas parce que c'est pour mes échanges Halloween. Donc, j'ai montré le reste. Donc, moi, je suis allée avec mon sac, super sac Disney, là, qui m'a été offert par Charline Création. Et je la remercie encore parce qu'il est super pratique. Quand j'ai grand truc large et long à mettre, je prends celui-là. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé. Petit haul. Donc, sur Halloween, à part le truc que je peux vous montrer, j'ai trouvé ces serviettes-là. Bon, ça fait pas Halloween parce que c'est rose, mais franchement, je trouve ça super rigolo. Bon, il y a 20 serviettes de 33 sur 33 et elles sont trop belles. Elles sont à 98 centimes. Les 20, il y avait sur Halloween, il y avait très peu. On a très peu de choses chez nous. Non, je suis content au moins d'avoir trouvé ça. Et bon, serviettes. Pour Noël, j'ai trouvé des pailles comme ça. Et en général, si je les prends à Noz, elles sont super. Et l'année dernière, j'ai trouvé orange et noir sur Halloween. Tani, on n'en avait pas. Donc là, elles sont à 69 centimes. Il y en a un bon paquet. Donc elles sont marron et blanche. Donc pour Noël, pour mes échanges et tout ça, j'en avais pas. J'en ai hein, des pailles. Mais pas cette couleur-là. Par contre, il n'y a pas mis combien il y en a. Alors attendez. 2. Il y en a 25. À 69 centimes. Bon, il y avait d'autres couleurs. Mais pour faire un Noël, il y avait ça. De toute façon, les pailles sont là. Ensuite, j'ai trouvé. Pas non plus. À 99 centimes, c'est des stickers époxy. Là. Il y a juste le prix dessus. Alors, attends, que je trouve comment l'ouvrir. Ouais. Donc c'est juste des. Ça fait un peu comme des gros dynamédotes, mais plus plein. Ils sont autocollants. Oui. On les décolle là. Et on décolle là. Donc j'ai trouvé ce modèle là. Ça faisait masculin, je trouve. Il n'y avait que celui-là. C'est du vintage. Parfait pour ma collection vintage. J'ai pas grand chose, mais pour mettre dans la collection, future collection. À 99 centimes, les 6. Sympa. Ensuite, j'avais trouvé la dernière fois ces feutres et marqueurs. Donc j'avais trouvé pour faire tout ce qui est visage, fleurs et visage. Enfin, ouais, c'est ça. C'est pas ça. Excusez-moi. J'ai trouvé dans les roses et tout, non, pour faire tout ce qui est fleurs. Et là, j'ai trouvé pour la mer. Je vous montre les couleurs. Il y a différents bleus. Et je trouve qu'ils sont super sympas. À
à 3,99€ les 5. Il y avait d'autres, hein, il y avait encore d'ailleurs, ils avaient remis pour faire tout ce qui est monument historique, on va dire, dans les gris, les noirs, marron. J'aime pas du tout. Et il y avait, par contre, il n'y avait plus pour les couleurs primaires. Donc, il n'y avait pas primaire. Donc, celui-là, il va être sympa pour tout ce qui est mer. Voilà. Monsieur Coton, j'y ai pensé aussi. Sauf que à chaque fois, ils sont en promo. C'est pour des 10-25 kilos. Donc, comme j'en ai vu beaucoup, j'ai repris des Danta Sticks et il y en a 3 pour 79 centimes. Je crois qu'à Action ils sont 0,84, je crois. Enfin, en tout cas, j'en ai pris. Bon, comme c'est 10-25, quand on ne fait pas 10 kilos, hein. Heureusement. Donc moi je les coupe en deux, comme ça j'en fais en deux fois. Donc pour ça j'ai pris 3 paquets. Voilà. En donnant la moitié, j'en ai pour un moment. J'ai trouvé des petites perfos. Alors habituellement je suis pas fan des petites perfos. Mais là, à 1,49€ à ma Artemio, j'ai trouvé la petite fleur comme ça. Et je me dis, quand je fais des... j'en ai pas là. Quand je fais des petites fleurs superposées, et ben c'est bien d'en avoir une taille petite comme ça. Bon, il n'y a pas mis la taille par contre. Non. Bon, j'ai pris celle-ci et... pareil, 1,49€. J'ai pris le petit ange. Quand je fais du shabby ou du vintage, enfin, ce sera super sympa de l'avoir en différentes couleurs. Ils sont petits, hein. Mais voilà, on va voir la dimension. Mais je n'ai pas des choses trop grandes. La dernière fois, j'ai pris des perfos à nose. C'était des grands. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Ah. Mais je ne peux pas détiquer. Voilà. Donc là, on va voir. C'est encore plus petit, je crois. Vous voyez ? Oui, ça, je fais mignon. J'ai pas beaucoup de perfos, mais celle-là, j'ai une boîte qui n'arrête pas de tomber sur mon pied. Voilà. Donc, j'ai pris ces deux-là. Ensuite, il y avait plein de différents modèles, mais moi, j'ai pris que ceux-là. C'est des brats, mais c'est des gros. Moi, j'ai que des petits. Donc, ceux-là, ils font 1 cm 2 et il y en a 10. Hein, 59 cm. Il y en avait d'autres, hein, mais j'aimais pas les autres. Donc j'ai pris que ceux-là. Pour Noël, j'ai trouvé des petits cœurs. Bon, ça c'est le bac du mariage. C'est une guirlande en fait, à la base était à 2,50€ et moi je l'ai payé 1,40€, il y a au moins 60, 1,50€, 1,40€, non moins, 1,25€, donc j'ai pris couleur argent, donc c'est une guirlande, je vous la sors pas parce qu'elle est paillettes, et il y avait en doré aussi, mais doré je l'ai pas pris parce que
Les paillettes étaient plus sur les tickets en polystyrène, déjà là ça commence, mais ils étaient sur le sac. Et je préfère l'argent au doré. Il y a des petites perles aussi sur les rubans. Donc pour mes créations de Noël, ce sera super. Donc il y a 1,50 m. Ouais, c'est possible. Voilà. J'avais pris ces petits pochons là. Si vous vous rappelez bien, je vous l'avais dit que moi j'en ai pris un deuxième, il y en avait plus. Et là ils ont remis tout un bac où il y avait des grosses fleurs, il y avait des pochettes comme ça en format enveloppe, petite comme ça. J'aimais pas, il n'y avait que rose et bleu d'ailleurs. Celui-là, je voulais en reprendre un, il n'y en avait plus qu'un. Donc j'ai bien fait d'y aller hier. Et celui-là, les quatre étaient à 1,20 €. Ensuite, encore une serviette. Alors là, j'ai craqué quand j'ai vu ça. Pour 0,49 €, il y a tout un bac de fleurs. Elles sont magnifiques, des roses noires sur un fond jaune. Ça ressort hyper bien. Il y a pas mis non toxique, oui. Après, je sais pas combien il y en a. Il n'y a pas marqué. Ils mettent 6. Oh, ça me paraît bizarre. Bon, il y en a une dizaine. Mon super mignon. J'adore. Il y avait plein un bac aussi de fleurs. Et dernière chose que j'ai trouvé, c'est un kit de un set de loisirs créatifs, ils appellent ça. Pour 1,99 €. La petite poignée. Donc à la base, je peux faire les trucs de mariage, je crois. 85 pièces. Faire vous-même. Donc je vais vous montrer le détail derrière et je vais vous ouvrir la boîte. Il y a tout ça dedans. Alors, bon, on avait le scotch. Ils sont tous en mettre scotch. Et toujours pas changer ma lame de cutter. Heureusement que j'en ai un autre. Alors, la boîte elle s'ouvre. Bon. Si je sais comment on ouvre déjà. Alors attendez. Hop. Hop. Ouais. Faut glisser la poignée. Voilà, ça se présente. Comme ceci, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Je vais découvrir avec vous, hein, parce que je ne l'ai pas ouvert encore. Alors, il y a du ruban, super beau, et de la ficelle. On a du marron à pois blanc, du doré et du marron. Il y a peut-être un mètre, je pense. Attendez, je vais faire la place. Hop. Ensuite, on a de la feutrine qui est déjà pré-découpée. Il y a des... en forme d'œuf. Voilà. Il y a en blanc et en noir. Ils sont en deux morceaux. On va laisser à plat pour qu'ils s'en aient. Après, nous avons. Oh, super! Dommage qu'il n'y ait pas pur modèle. Ce sont des stickers. Alors, les roses, la blanche, les beiges, elles sont magnifiques. Il y a des petits nœuds et des petites fleurs différentes tailles.
et différents modèles. Ils sont super. Donc moi, j'ai pas que des roses comme ça. J'adore. Hop. Ensuite, ben, tout est prédécoupé, ça c'est cool. C'est différentes fleurs qui sont prédécoupées. Hop, oui. Prédécoupées. Donc on a des bleus, des noirs, des grises, des beiges et des marrons. Différentes formes. Enfin, ensuite il y a les mêmes, mais là il y a du rose. Pas les mêmes couleurs. Ils sont vraiment super. Après, il y en a qui peuvent servir. Ce que je ferais avant de l'utiliser, c'est de faire des gabarits. C'est pour être sur une feuille, je ferais le tour pour en refaire d'autres. Alors ça doit être pour faire des boîtes. Il y a même l'étiquette tag. Elles sont sympas les boîtes. Pareil, ça donnera un gabarit. Après, on a ce modèle-ci. En craft et en marron. Elles sont plutôt super sympas. Ah, ça c'est cool. S'il y avait plusieurs modèles, j'aurais pris plusieurs à 3 €. Mais je voulais pas prendre deux fois la même, ça servait à rien. Ensuite, on a. Là, ce sont des boîtes en longueur. En fait, votre boîte, vous avez une partie là et l'autre là. Ça fait pratiquement la longueur de la feuille. On va peut-être mieux là. Et la forme de la boîte, ça va faire un peu comme une pochette. Hein, je vais me faire des super gabarits avec ça. Ensuite, on a les mains, mais en beige. Il y a deux à chaque fois. On voit les formes, pas trop les formes. J'avoue, j'ai une préférence pour la noix. Oh, génial. Après, on a plein d'étiquettes. Donc, par contre, ce sont les mains. Il y a plusieurs planches pareilles. Donc, on a ceci avec les fleurs, les ronds et les étiquettes tag. J'avoue, j'adore celle-là. Comme vintage, ça va être top. Donc celle-ci, on a une il y a deux planches pareil. Ouais, ce sont les mêmes. Après il y a je dois faire les boîtes, mais je vois pas comment. Attends. Comment elles sont faites. D'accord. Ça fait une boîte un peu style taille carte. Jeu de cartes, on va dire. Pas si on voit grand chose. C'est prédécoupé, pareil. Il y a deux par planche. Après, on a. On sait beaucoup. Oh, ok, c'est bon. Là, c'est la même que je vous ai montré, mais c'est une grande. Elle fait. On voit mieux derrière, je crois. Non. On voit pas mieux. En caméra, ça ne prend pas super. Donc, ça fait une grande boîte de là à là. On essaiera voir ce que ça donne. Ensuite, il y a des papiers. Voilà, ils sont recto verso. C'est des papiers glacés format A4. Ils sont super. Donc on a celui-ci. Et deux côtés séparés. On a beige à pois blanc.
Pareil. Hein? En fait, ça a rejoint les autres papiers. Ça va aller ensemble. Ensuite, on a celui-là avec des espèces de petites fleurs. Ils sont superbes. Ça glisse. C'est du papier glacé, alors ça glisse. Ensuite, on a comme sur les tags avec des petites fleurs roses. Il est sympa. On a les petits ronds beige. Ah, franchement, pour 3 euros, on va mettre à côté sinon ça va tomber. Ah, j'adore celui-là. On a le noir à pois blanc. En caméra, ça fait un peu kaléidoscope, ça fait trop bizarre. Il est sympa. Je vais le mettre là. Sur ma pile, ça glisse. Ils vont tous tomber. Ensuite, on a une espèce de chevron beige. Ah, celui-là, j'aime beaucoup. Ouais, dommage qu'ils soient un petit peu abîmés. Et, fallait bien que ça tombe quelque chose. Donc celui-là, il est un petit peu allumé, c'est dommage. Donc voilà. Et là, je le cacherai et puis ça se verra. Donc celui-là, c'est les arabesques noir et blanc. Ouais. Après, on a des petites fleurs avec les feuilles. Il y a beaucoup de papier. Hein. Il y a plus de papier que de cartes. Enfin, de boîte. Une petite fleur noire, exemple. Là, c'est des fleurs beige. Mais toutes petites. Ensuite, on a. Oh, il y en a des vraiment sympas. On a celui-ci avec des fleurs, pareil. Beige. Il y a celui-là. Super sympa. Et après, on a des unis, alors. Ouais. Je vous dirai pas. Ah, oui. C'est vraiment feuille d'imprimant, mais alors la couleur, un beige craft, voilà, on voit marron, mais il est beaucoup, il fait limite jaune vanille, super sympa. Derrière, ça fait, on voit les motifs, enfin il n'y a pas de motifs, ça fait comme si on avait une plein de taches, quand on regarde la lumière. Super sympa. On a un. Ceux-là m'ont l'air un. Ouais. Ceux-là sont un peu plus épais. Alors, la couleur dirait un violet, un parme très clair. Ouais. Ouais, vous voyez, je sais pas quelle couleur. Il est, on dirait, un peu pas. On a du gris. Celui-là est plus épais. Il est plus cartonné, celui-là. On saurait le crabe. Le crabe, là, il fait limite un peu comme les enveloppes en crabe, mais plus fin. On a un gris clair. Vraiment, il y a un paquet de feuilles. Hein. Dommage qu'ils n'ont pas mis plus d'embellissement. On a un gris clair, encore plus clair que l'autre. Ici, un mauve, mais clair aussi. C'est tous les formats A4.
On a un. Alors, je sais pas, c'est noir ou marron. On dirait un marron très foncé. Alors, on le voit noir, je crois. On dirait plutôt qu'il est. Pas c'est noir ou marron. Un peu les deux, peut-être. Là, ensuite, on a du blanc. Voilà, après, il y a. Attends. Oui, il y a plusieurs feuilles. Après, c'est que du blanc, mais. Cartonné. Donc, on a une, deux. On a quatre feuilles blanches. Ouais, c'est blanc. Et vous avez des instructions. En fait, vous montez vos boîtes. Là, on voit une des boîtes. Et l'autre, elle va être. Ah, c'est cool. En fait, elle est vers le haut. Ça fait en hauteur tout en largeur. Super sympa. Ensuite, ça c'est quoi? Attends. Des bandes de papier. Bah, à quoi elles vont servir? Faire les languettes? Non. Bah, je sais pas. Il y a des bandes comme ça de papier. Elles n'ont pas l'air autocollantes. Vous voyez? Des bandes comme ça. Pas trop à quoi elles servent. Parce que sur la notice. Enfin, la notice. Il y a juste ça. Il n'y a pas marqué. Ah si, elle m'a l'air autocollante. Oui. Je sais pas ce que c'est. Parce qu'ils mettent des lettres. Mais on ne sait pas ce que c'est. A, B, C. Pas du tout ce que c'est. Ça m'a l'air des tinguettes pour faire les petits nœuds sur les hauts des boîtes. Et là, on voit. Attendez. Là. Petite languette. Et on l'air autocollant. Alors attendez. J'arrive à ouvrir. Ouais, elles sont tellement fines que. J'ai pas de nom en plus. Donc elles m'ont l'air. J'arrive même pas à enlever le truc. Ouais, elles ont l'air autocollantes. Bah, quand j'aurai réussi à découler une, je vous dirai. Et au fond, bah, on a le carton là. C'est posé dessus. Bah. Par contre, il pourra servir pour faire des corrections d'album. En soi, super sympa. Un seul petit bémol. C'est qu'il n'y a pas assez d'embellissement. Mais il le voit. En fait, je pense que il y a beaucoup de papier, mais je sais pas si on peut le reproduire. Ah, attendez, j'essaie de les mettre. Remettre dans ma boîte. Donc je verrai ce que ça donne. Je ne les ai pas tous mis dans le même sens. Alors maintenant, on les remet. Hop. Voilà. Voilà. Donc voilà, pour 2,99€, franchement, de moi qui n'ai pas plus comme ça. La mousse,
Là, je ne sais pas à quoi il sert. Je n'ai pas trop regardé. Et franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal comme petit kit. À 3 euros, j'aime bien. Alors, attends, on va essayer de la refermer. Il faut passer la languette. Voilà. Donc voilà. Le petit kit, franchement. On va faire des. Ah oui, d'accord. Les fleurs, voilà, ça fait des boules. Enfin, pas vraiment des boules. Ah, c'est pour mettre des ranges couverts. Les deux longs, là, qu'on a vus. Ah, c'est super sympa. Oui, franchement, j'adore. 1,99€. 2 euros. Si franchement je m'éclate, à l'occasion, si j'en retrouve, je prendrai peut-être une autre. Mais en tout cas, je suis ravie de mes petits achats. Voilà, petit haul. Quand même, demi-heure, on a passé pour montrer le kit là. C'est super sympa. En tout cas, ben, moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon courage pour ceux qui bossent et un bon week-end. Il y aura une deuxième vidéo derrière parce que j'ai été taguée par une copine. Je vous ferai le tag après et je vous donne rendez-vous à 19h30 pour le live. Bye bye!